Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous les 7 dons du Saint-Esprit. Pourquoi je vais parler des 7 dons du Saint-Esprit? Parce que dans une de mes rencontres avec mes amis, j'ai parlé un peu comme ça, dans ma prière, de début de séance, j'ai parlé de 7 dons et j'ai eu deux personnes qui m'ont dit que mais elles savaient plus ou moins ce que c'était les dons du Saint-Esprit. Hello, salut tout le monde, c'est Valérie. Très très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous un autre sujet sur la vie chrétienne. Voilà, sur notre foi en Christ. Voilà, je vais commencer en vous disant, c'est super, super beau quand on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà, c'est très, très beau. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que comme dans toute vie, comme dans toute chose, la vie chrétienne également a les étapes. Un peu comme dans notre vie humaine, voilà, on est tout petit, ensuite on devient petit enfant, par la suite un adolescent. Et on a peut-être grandi, on mature et on devient un adulte. C'est pareil pour la vie chrétienne. Quand on est tout petit, quoi, c'est juste qu'on entend parler de Dieu comme ça. On est nébios, quoi. On connaît Dieu juste parce qu'on a entendu nos parents, nos maîtresses, nos amis en parler. Voilà, on sait que Dieu existe. Là, on est nébios, on est tout petit. Par la suite, on prend connaissance. On grandit, on prend conscience et connaissance que Dieu existe. Voilà, on devient fils et fille de Dieu. Voilà, ce n'est pas suffisant car après là, il y a des étapes d'apprentissage, d'approfondissement, de méditation à faire car il faut maturer. Il faut maturer. Beaucoup s'arrêtent au niveau de fille et fille. Et pourtant, on est appelé à maturer quoi. Et dans notre maturation, il y a plein d'étapes à traverser. On sait très bien, je vous ai fait une vidéo où je parlais de l'armure de chrétien. Car quand on est appelé à maturer, on va trouver les obstacles. Voilà. Quand on veut grandir dans la foi et quand on... Parce que la prière comme ça, ça ne suffit pas. Voilà, il faut beaucoup plus quoi. Et quand on prend conscience de certaines choses, on prend également conscience que comme il y a le bien, il y a le mal, quoi. De même qu'il y a la vie, il y a la mort. Alors, il faut qu'on soit armé, il faut qu'on soit prêt, quoi. Donc, il y a plein d'étapes à suivre. Quand on décide d'entrer vraiment dans la prière, quand on décide de devenir vraiment une femme ou un homme de prière, voilà, on est confronté, on aura des confrontations, ça c'est inévitable, quoi. C'est inévitable. Mais je vous rassure que ça fait du bien. Donc, il faut s'armer, quoi. Il faut se préparer au combat, il faut s'armer. Je vous invite à regarder la vidéo où je parle de l'armure du chrétien. Là, maintenant, je vais rapidement vous résumer plus ou moins l'armure du chrétien, quoi. On a le casque du salut. Car l'armure du chrétien a été inspirée par Paul, a été écrite par Paul qui s'est inspiré de l'armure du soldat romain. Voilà, on a le casque qui est le casque du salut pour protéger nos pensées. On a la cuirasse, la ceinture et l'épée. Car la ceinture permet à la cuirasse et à l'épée de rester ferme, quoi. Alors, comme ceinture, on a la vérité, voilà, qui n'est pas seulement dit la vérité, qui est beaucoup plus que ça, voilà, qui est vraiment... Comme ça qu'on vous dit, Christ est vérité, quoi. Christ est la vérité. Donc, il faudrait avoir ça dans sur ses reins pour tenir ferme sa cuirasse qui est la justice qui protège. La cuirasse est faite pour protéger nos organes vitaux, voilà. Il faudra avoir son épée, notre épée. Le glaive, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut lire sa Bible pour connaître la parole de Dieu. Car ce n'est pas nos paroles qui nous protègent contre l'ennemi. L'ennemi n'a pas peur de nos paroles, mais c'est la parole de Dieu qui combat l'ennemi, quoi. Alors, on n'oublie pas son bouclier. Le bouclier, c'est la foi. Car il faut avoir une foi ferme. Il faut avoir une foi fortifiée. C'est le bouclier quoi, pour se protéger contre les flèches enflammées que l'ennemi va nous envoyer. Et surtout, et surtout, et surtout, ça l'est moins important. Et pourtant, c'est super important. C'est avoir ses pieds, les chaussures pour aller annoncer. Qui va nous donner le zèle pour aller annoncer l'évangile. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les 7 dons du Saint-Esprit. Pourquoi je vais parler de ces dons du Saint-Esprit? Parce que dans une de mes rencontres avec mes amis, j'ai parlé un peu comme ça, dans ma prière, de début de séance, j'ai parlé de ces dons et j'ai eu deux personnes qui m'ont dit que mais elles savaient plus ou moins ce que c'était les dons du Saint-Esprit, mais elles ne se rappelaient pas. Alors je me suis dit, ok, ça fait toujours du bien de renouveler l'intelligence. Donc dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les 7 dons du Saint-Esprit. Car pour arriver aux 7 dons, il faut prier le Saint-Esprit. Et pour réussir à prier le Saint-Esprit, il faut décider d'arrêter de marcher
par la chair, quoi, de vivre, d'essayer de vivre, de faire les œuvres de l'esprit. Je ferai une vidéo où je vous parlerai de qu'est-ce que c'est que marcher par la chair, qu'est-ce que c'est que marcher par l'esprit, voilà, pour que celle-ci ne soit pas très longue. Et voilà, donc quand on décide de marcher par l'esprit, alors dans nos prières comme ça, on permet au Saint-Esprit qui est déjà en nous de se manifester. Car quand Christ est monté au ciel, il a envoyé le jour de la Pentecôte, hein, si vous vous rappelez bien, le Saint-Esprit, le Paraclitos, le Consolateur. Alors il est là, il est là, il attend juste qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui permette de se manifester. Permet comme ça au Saint-Esprit de se manifester. Alors le Saint-Esprit a également les dons qu'il donne aux personnes qui ont décidé de devenir femmes et hommes de prière, voilà, qui ont décidé de marcher sur les pas de Jésus, qui ont décidé d'ouvrir leur cœur à Dieu, quoi, de confier, de donner leur vie à sauver les âmes. Alors le Saint-Esprit distribue ses dons selon le bon vouloir, le bon plaisir de notre Créateur qui est Dieu, voilà, d'une personne à une autre, ça varie. Et voilà, et ces sept dons, ici, je vais vous résumer les sept dons, et dans les prochaines vidéos, si Dieu le permet, je vais faire des vidéos, je vais entrer en profondeur sur chaque don, quoi. Voilà, ils sont en couple, sauf le dernier, le plus grand de tous, voilà. On a le don de la sagesse et de l'intelligence, ou encore discernement. On a le don de conseil et de force, on a le don de connaissance et de piété, et par-dessus tout, on a le don de la crainte du Seigneur. Du Seigneur, j'espère vraiment que je vais réussir à faire des vidéos où je vais entrer plus en profondeur. Je m'en aperçu sur tous les dons, je dirais ceci. En ce qui concerne le don de la sagesse, quand l'Esprit Saint nous fait don de l'Esprit de sagesse, voilà, cette sagesse, ce n'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse qui nous permet de mieux connaître, de mieux comprendre Dieu, voilà, d'entrer en communion, en relation avec Dieu. Et pour créer ces relations, il faut le connaître et on a besoin de ces sagesses pour cela. Voilà, en ce qui concerne le don d'esprit d'intelligence, rien à voir toujours avec l'intelligence humaine, du fait qu'on sait tout, on a beaucoup de connaissances, on sait plein de choses, non, c'est pas ça du tout. Cette connaissance, ce don, quand l'Esprit Saint nous fait part de ce don, ça nous permet de comprendre et de voir les mystères de la vie divine, quoi, ça fortifie notre foi, quoi, ça a lien avec la foi. Avec le don de conseil, le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur et nous dit quoi dire, quand le dit, comment le dit, comment bien le dit, quoi. Voilà, hein, je vais entrer dans plus de détails dans une autre vidéo, comme j'ai dit. Le don de force ou encore de puissance, ce don nous permet d'affronter les difficultés de la vie, quoi, de n'avoir point peur face aux difficultés qu'on va rencontrer au quotidien. Ça, c'est le don de force. Même les apôtres durant la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint, voilà. Même Pierre, hein, tout le monde, même Pierre qui a régné Jésus, tous, ils étaient tous zélés, quoi. C'est ce don, je crois que c'est lié à ce don de force ou encore de puissance. Le don de connaissance ou de science, voilà, en plus de nous permettre de connaître plein de choses, ça nous crée une harmonie avec notre Créateur, quoi. Quand on a cette harmonie, ça nous donne de l'humilité, ça nous donne de la gratitude, voilà. Voilà. Ensuite, il y a le don de piété qui n'a rien à voir avec la pitié. Le don de piété, ça nous permet d'avoir un amour filial pour Dieu. Ce don de piété, quoi, qui vient du cœur, c'est ça qui nous permet de dire « Abba Père ». Et quand on va pouvoir, quand on entre dans cet amour filial de « Abba Père », on a également de la tendresse, de la compassion pour notre prochain. Voilà, ça c'est le don de la piété. Il n'a rien à voir avec la pitié. Et par-dessus tout, le don de l'esprit de crainte de Dieu. Voilà, c'est le summum, quoi. Car ça n'a rien à voir avec la crainte ni la peur. Car ça nous donne la confiance. On a confiance en notre Créateur qui est Dieu, voilà. Et on est conscient de cet amour inconditionnel qu'il a pour nous en tant que fils, voilà. Et nous, de manifester notre amour vers lui en tant que père, quoi. Un amour filial. Et dans cette crainte-là, on dit crainte parce que dans ça, on essaie durant toute notre vie à ne point lui déplaire, ne serait-ce que par des petites fautes, quoi. On essaie d'éviter tout ça, c'est ça la crainte, l'esprit de crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la peur, c'est plus la confiance, l'amour, quoi, qui dégage de ça. Voilà, c'est ça, j'espère que la vidéo vous plaira. Quand vraiment, il faut rechercher ces dons, c'est ça qui nous permet, ces dons, ça nous permet vraiment de suivre les pas de Jésus, quoi. C'est ça qui nous évite de porter des jugements actifs comme ça, ou encore de condamner ou d'avoir des opinions sur des personnes inutilement, voilà, ça nous permet d'aller au-delà des apparences, d'aller dans le surnaturel, comme dirait certains pasteurs,
Voilà, c'est vraiment, on a tous besoin de ces dons-là, de ces dons du Saint-Esprit. Donc, laissons que le Saint-Esprit illumine nos cœurs, laissons ouvrir la porte au Saint-Esprit pour qu'il dirige, qu'il nous instruise et qu'il nous donne plus de compréhension dans notre vie. Voilà, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, ou des suggestions pour l'amélioration. Je suis preneuse et c'est ce que je vous dis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.